Mince. Ah. Salut tout le monde, je relance le jeu qui vient de se fermer, c'est pas grave. Tac. Ça va pas prendre longtemps, tout va bien. Hop. Voilà, c'est bon. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. On continue aujourd'hui le jeu Ever Oasis. On s'était arrêté à une cueillette de fruits, il me semble, la dernière fois. Et donc là, je pense qu'on va aller un peu plus loin dans le jeu. Je regarde juste. Hop. On va suivre la flèche tout simplement. Ah oui, voilà. Il y avait un nouveau visiteur, du coup. Tiens, on dirait que Pimaï veut te dire quelque chose. Va donc lui parler. Salut Pimaï. Ouais, du coup, on voit que c'est un jeune garçon un peu timide qui fait de son mieux pour toujours rester positif, que les fruits lui rapportent du bonheur. Et du coup, je rappelle que on avait débloqué une boutique de fruits dans l'autre vidéo. Et il a un pouvoir qui s'appelle Perle Plus. Bonjour, tu as l'air d'avoir la pêche. Ah, au fait, j'ai entendu une rumeur. Il paraît que dans la grotte Bicorne, il y a une femme qui creuse la roche comme si sa vie en dépendait. C'est impressionnant. Moi, rien que marcher dans le désert me fatigue. Donc là, on a débloqué une rumeur qui s'appelle Granéenne Mystérieuse. Cette femme creuserait seule la roche dans la grotte Bicorne. Certaines personnes dans l'oasis connaissent des rumeurs à propos de voyageurs que vous n'avez jamais vus. N'hésitez pas à discuter dans les allées ou dans les boutifleurs.
On pourrait peut-être trouver d'autres alliés à l'extérieur de l'oasis. Dis, et si tu t'aventurais un peu à l'extérieur? Pars donc à la rencontre de cette voyageuse dont Pimaï t'a parlé. Si tu vas au bout de l'allée principale, tu devrais pouvoir sortir de l'oasis. Ok, donc là, en gros, on va sortir de l'oasis et on va sûrement aller chercher la personne de la fameuse rumeur. Sur un point de sauvegarde, vous pouvez sauvegarder votre aventure. Sauvegarder là. Voilà. Donc on sauvegarde. Et on sort. Désert de Kar. À l'extérieur de l'oasis, ça grouille de monstres du chaos, alors sois prudent. Si tu sens que tu es en danger, prends immédiatement tes jambes à ton cou, ça ne sert à rien de jouer les héros. Et maintenant, en route, objectif, trouver cette fameuse voyageuse. À l'extérieur de l'oasis, vous pouvez attaquer avec A pour une attaque faible et X pour une attaque puissante. Touchez Affaire, puis l'icône Carte de la Rumeur et suivez la marque bleue. On va faire ça du coup. Donc, Affaire. La graine mystérieuse, tac, qui se trouve là. Ok. Donc on voit que nous on est là et ça avait l'air d'être tout droit à peu près. On va aller. C'est un monstre du chaos. Sois très prudent et observe bien ses mouvements pour frapper au bon moment. Vous pouvez cibler un ennemi avec L. Si un ennemi vous attaque, vous pouvez esquiver avec B. Combinez les attaques avec A et X pour combattre efficacement. Le ciblage permet de garder en vue un ennemi proche. Chaque fois que vous appuyez sur L, l'ennemi ciblé change. Par ailleurs, si vous voulez fuir un ennemi, vous pourrez courir plus vite après avoir rangé votre arme en appuyant sur Y. Je crois que j'ai trouvé la fameuse grotte de toute façon. Ouais, c'est ça. Grotte Bicorne. Ah, Argue, au secours. Aïe, des granites, va vite l'aider. On va aller lui parler. Enfin, quelqu'un est venu m'aider. Je n'arrive pas à y croire.
Figure-toi que je m'adonnais à mon activité favorite, l'extraction, quand soudain le plafond m'est tombé dessus. Tout ce sable était si lourd que je ne pouvais plus bouger. J'ai bien cru que j'allais finir fossilisé. Je ne sais pas qui tu es, mais merci de m'avoir aidé. Merci, merci. Ah, on va enfin pouvoir s'occuper de ces rochers. Tiens, puisque tu es là, tu ne veux pas faire un peu d'extraction avec moi? Voulez-vous prendre ce personnage en votre équipe? Bah oui, du coup. Ah, mais j'ai complètement oublié de me présenter. Moi, c'est Seychen. Très heureuse de t'avoir rencontré. Seychen a rejoint votre équipe. Vous pouvez changer le personnage avec les flèches. Ok. Ah. Pourquoi ça ne marche pas? Ça veut pas. Alors attends. Il doit y avoir un souci au niveau des commandes. Pas directionnel. Ah, pourtant c'est configuré. Ah. Allez savoir pourquoi ça ne marchait pas avant. Je ne sais pas. On peut extraire toutes sortes de matériaux de ces rochers brillants. Pour prélever un objet, prenez le contrôle d'un personnage possédant un pouvoir spécial de prélèvement, puis appuyez sur A à un endroit où son pouvoir est utilisable. Hop. Ok. Perle roulante. Branche fossilisée. Perle roulante, ok. On a tout ramassé. Bon, je crois que c'est tout. À propos, je me demande un peu tard, mais qu'est-ce qui t'amène dans ce trou? Oh, tu es le chef d'une oasis. C'est fantastique. Je suis ravi d'apprendre qu'il y a de nouveau une oasis dans ce désert. J'ai toujours voulu m'installer dans une oasis pour devenir la gérante de ma propre boutifleur. Oh, comme je suis contente. Dès que j'ai fini ici, je passe faire un tour dans ton oasis. À la prochaine. Seychen a quitté votre équipe. Et donc, on a trouvé la fameuse personne de la rumeur. Cette femme qui était écroulée au fond de la grotte Bicorne est intéressée par l'oasis. Pour l'instant, on n'a pas réussi à lui faire son bonheur. Bravo Granite, on va avoir de la visite, c'est génial. Ok, bah donc du coup là, on va peut-être juste. Voilà, lierre solide. Une branche fossilisée et re un lierre solide et on s'en va. Vous pouvez toucher la carte de l'écran tactile pour la faire défiler, toucher l'icône représentant l'entrée d'un lieu pour en afficher le nom. Ok. Du coup, on part dans l'autre sens.
nouvelle visiteuse est bio. Ouh, une oasis, je suis sauvé. Voyager dans le désert, ça fait peur et c'est très stressant. Cette jeune Ghanéenne, spécialiste des boissons, se met un peu trop la pression. Ça joue en rime aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Ebio. Entanché. Ouais. À mon avis, c'était enchanté là. Je suis tellement nerveuse que je dis n'importe quoi. Maintenant que j'ai trouvé l'oasis et que je peux souffler un peu, j'ai envie d'une bonne boisson. Si j'avais de la pulpe de cactus qu'on peut trouver à l'extérieur, je pourrais m'en préparer une. T'es au courant que je viens à peine de partir de l'extérieur, là. Voulez-vous vous occuper d'abord de ce dont vous a parlé Bio? Bah oui, du coup. Bon, du coup, parce que je suis parano, je sauvegarde. Et on va aller. Du coup, de la pulpe de cactus, il y a du cactus là. Bien joué, Granit. Tu as donné une bonne leçon à ce monstre du chaos. Tu n'es pas blessé. N'hésite pas à te soigner régulièrement pour éviter d'être trop affaibli. En battant des ennemis, vous obtenez parfois des objets qui varient selon le type d'ennemi. Certains de ces objets sont des matériaux que vous pouvez livrer au boursifleur. Touchez l'icône en haut à droite de l'écran tactile pour afficher l'écran de sélection d'objets de soins. N'hésitez pas à les utiliser si vos PV sont dangereusement bas. Ok, y a un truc qui me suit là. Bon, alors on va prendre un truc parce que là, qu'est-ce qu'on a? Restaure 20 PV. Peut-être petit remède, c'est mieux. Ah non. Bon, bah, fruit guérisseur, tac. Ok. Je ne sais pas combien de pulpes de cactus elle veut. 3. Ah, on en a qu'une, ok. Cherchons les cactus. Là, il y en a. Il y en a des gros là. Voilà. Nickel. On va se dépêcher parce que la nuit généralement c'est pas terrible. Oula, il y a des serpents partout maintenant. Lorsque vous retournez à l'oasis, les membres de l'équipe reçoivent de l'expérience en fonction des ennemis vaincus. Quand un personnage a assez d'expérience, il gagne un niveau. Et donc là, on a gagné 1 en PV et 1 en chance. Et aussi un nouveau combo. Ah, ok. De toute façon, j'ai pas besoin de sauvegarder là, je vais aller par là.
Ah, granit. Pendant que tu étais en vadrouille, j'ai vendu un tas de fruits. J'ai gagné plein d'aquagemmes. Viens, je vais te donner ta part. Si, je t'en prie, c'est normal. C'est grâce à toi si ma boutifleur marche bien, c'est toi qui me fournis la marchandise. Lorsqu'une boutifleur a accumulé des bénéfices, une icône d'aquagemme apparaît au-dessus du toit. Utilisez le tourbillon en direction de cette icône pour obtenir les aquagemmes correspondant à ces bénéfices. Donc, du coup... Voilà. Ah oui, 300 quand même. Fantastique, avec ça tu vas pouvoir planter une autre boutifleur. Alors déjà on va parler à Ebio. Dis, tu t'occupes toujours de ma requête? Ah oui, on va lui donner sa pulpe de cactus. Oh, mais c'est de la pulpe de cactus. Tu es allé la chercher pour moi. Ça me fait vraiment très plaisir. Pour te remercier, je t'offre cette pousse d'herbe déco. N'hésite pas à la planter. De l'herbe déco. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Hé, tu es vraiment un gentil chef. Merci de te donner tant de mal pour moi. Et donc là, elle est heureuse. Et du coup, elle va s'installer dans l'oasis. Voilà. Je travaillerai très dur, je te le promets. Si tu voulais bien m'accueillir, j'en serais enchanté. Ouf, c'était mieux que la dernière fois. Votre population s'agrandit et Bio a décidé de s'installer dans l'oasis. Vous pouvez maintenant faire pousser une boutifleur vendant des boissons. Voilà. Les herbes déco permettent d'augmenter les ventes des boutifleurs près desquelles elles sont plantées. Vous pouvez les changer de place à l'écran des boutifleurs. Voilà, donc du coup là, comme elle veut s'installer, on va juste ouvrir les boutifleurs. Et on va choisir. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a assez pour les deux boutifleurs. On va placer les moulins là. Je ne sais pas mais si mes moulins auront du succès, mais je ferai de mon mieux pour les vendre. Je regardais un truc. Ah, encore. Putain, c'est pas possible ça. Je ne sais pas ce que j'ai foutu avec ces commandes, mais... Ça ne va pas. Pas directionnel, bouton de contrôle. Ah, les boutons latéraux, ouais. L. Ok. R. ZL. ZL. Je vais refaire tous les boutons, comme ça je serai tranquille. Select. Voilà. Ok. Bon, c'est bon.
Herbe savoureuse augmente légèrement les ventes des boutifleurs gourmandes adjacentes. Gourmand, gourmand, bah là du coup. Et les boissons, on va les mettre là. Boutifleur ouverte. Ok. Quelle tension! Est-ce que je vais réussir à tenir une boutifleur? Voilà. C'est bon, tout le monde est installé. On arrête. Là, du coup, je vais aller lui reparler vu que. Elle a l'air de vouloir discuter. Bienvenue, que dirais-tu d'une bonne boisson? Au fait, en venant ici, je suis tombée sur une voyageuse super tranquille. Elle m'a dit qu'elle collectionnait les balles et les foulards. Alors elle viendra peut-être si on en vendait ici. Ok, donc là on a une rumeur de voyageuse nonchalante. Qui cherche des balles et des foulards. Et là, on a un ch'ti problème. Elle a plus de. J'ai rien à lui livrer. Faut que j'aille lui chercher des fruits. Mais je sais que t'as plus rien à vendre, je viens te livrer là. Hop, voilà. Ok. Voilà, du coup, on va retourner dans notre cabane, faire dodo. Dormir d'abord et sauvegarder ensuite. Là, il y a du monde. Donc là, il y a plein de monstres chouettes. Et on a notre ami Seychen, du coup, qui est venu. Ah, ça doit être ici. Oui, c'est sûrement l'oasis dont Granit m'a parlé. Juste, je sauvegarde. Hop. Voilà. Et on y va. Parler un petit peu aux monstres chouettes quand même. Ah d'accord, bon, pas grand chose à raconter en fait.
Ah, Granit, tu te souviens de moi? Je m'appelle Sechen. Tu m'as sauvé dans cette grotte horrible. Je tenais encore à te remercier de m'avoir aidé dans la grotte Bicorne. C'est grâce à toi si je peux toujours respirer ce bon air pur. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais beaucoup m'installer dans ton oasis, Granit. Avec un chef tel que toi, je sais que je pourrais écouler des jours heureux. Alors j'espère que ça ne te dérange pas et surtout, faisons de cette oasis un véritable havre de paix. Et on a quelqu'un de nouveau qui vient de s'installer. Du coup, vous pouvez maintenant faire pousser une boutifleur vendant des plaids. Les plaids, c'est toujours bien pour se réchauffer l'hiver. Bon, après, je vois pas trop ce que des gens vivant dans un désert vont pouvoir faire avec des plaids, mais ça, c'est encore autre chose. Et du coup, on va pouvoir passer au niveau supérieur d'Oasis. On va aller voir notre amie Esna. Bonjour Granite. Génial, notre alliance s'est enrichie d'un nouveau membre. L'oasis déborde à nouveau de force, il est temps de la faire grandir. Par le pouvoir de l'arc-en-ciel. Niveau supérieur, niveau 3, allié actuel 4. Vous pouvez maintenant bénéficier de l'égide de l'arc-en-ciel. Si vous perdez, vous pouvez ressusciter une fois. Et ben c'est très cool ça. Qu'est-ce qui se passe? La lumière de l'arc-en-ciel peut-être. Je sens la force affluer. Quand de nouveaux alliés rejoignent l'oasis, l'arc-en-ciel gagne en puissance et cela nous rend plus forts. C'est merveilleux. Grâce à l'égide de l'arc-en-ciel, vos PV augmentent quand vous partez à l'aventure. La puissance de l'égide varie en fonction des sourires de vos alliés. Rendez vos alliés heureux, par exemple par des livraisons, pour augmenter les sourires. Si vos alliés sont tristes, notamment à cause d'une rupture de stock prolongée, les sourires baissent. Vous pouvez vérifier le nombre de PV supplémentaires que vous octroie l'égide de l'arc-en-ciel dans la section Oasis du menu Start, et ainsi choisir le meilleur moment pour sortir de l'oasis. De plus, lorsque vous n'avez plus de PV, vous pouvez ressusciter sur place et continuer l'aventure. Le nombre de résurrections est limité, mais il est réinitialisé dès que vous rentrez à l'oasis. Ah, ça m'a l'air pas mal, tout ça, dis donc. Saouré. Pfiou, sans cette oasis, j'étais cuit, mais c'est quand même trop bête. Ah, on dirait qu'on a encore de la visite. Va vite voir, Granite. C'est quand même un peu suspect ces gens qui vivent dans le désert mais qui sont pas foutus de supporter la chaleur. Alors, où qu'il est le monsieur? Ah, attends, non, c'est pas toi. Salut. Ah, c'est toi le chef de cette oasis. Tu t'appelles Granite. Enchanté, moi c'est Saouré. Je ne savais pas qu'il y avait une oasis ici, et je peux te dire que j'étais drôlement content de tomber dessus. En fait, je me suis fait attaquer par des monstres.
J'ai réussi à m'enfuir jusqu'ici, mais dans la précipitation, j'ai perdu une bague à laquelle je tenais beaucoup. Elle a probablement glissé de mon doigt quand je me battais avec les Panthéras. Ce n'était pas loin d'ici, mais j'ai peur de me faire attaquer encore si j'y retourne. Ouais, bon, en gros, on va aller chercher sa bague, quoi. Des Panthéras, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais l'égide de l'arc-en-ciel t'aidera à te sentir plus fort. Il faut que tu retrouves la bague de Saoré, je suis sûr que tu peux y arriver. Vous avez décidé de garder l'histoire de Saoré dans un coin de votre tête. Ok. Ce jeune homme menacé par des monstres du chaos aurait perdu une bague de valeur en fuyant vers l'Oasis. Bien. Allons voir. Ah bah c'est bien ça, indiqué par une flèche. Ouais. L'égide de l'arc-en-ciel fait des merveilles, Granit. Tu es absolument rayonnant. Et maintenant, en route. Le désert ne demande qu'à étancher ta soif d'aventure. L'égide de l'arc-en-ciel augmente vos PV maximaux jusqu'à votre retour à l'Oasis. De plus, grâce à l'égide, si votre équipe est vaincue, vous pouvez ressusciter sur place une fois. Une fois. Alors, hop, hop, hop. Eh ben, ils sont là, les vilains. Et de 1 et hop. Je l'ai trouvé ou pas? Ah! Ce monstre a fait tomber quelque chose. Tiens, est-ce que ce ne serait pas la bague de Saouré? Vous avez obtenu un objet vieil anneau. Oh bah dis donc, ça aura été rapide. T'as vu comment ma barre de vie elle est badass là? Dis donc. Hop. 25% du niveau de salut. Salut chef, quoi de neuf? Oh, mais c'est ma bague, tu l'as retrouvée. Ah, je suis tellement content. Ma sœur m'a donné cette bague il y a bien longtemps et c'est mon porte-bonheur. Elle est plutôt quelconque, mais quand je ne l'ai pas avec moi, je me sens comme seul au monde. Oh, c'est triste. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir que tu l'aies retrouvée. Merci. Je dois absolument faire quelque chose pour toi en échange. Malheureusement, les monstres ont abîmé ma graine et je ne peux pas planter de boutifleurs. Ça ne te dérange pas? C'est vrai, merci. En guise de remerciement et pour célébrer notre rencontre, je te donne cette pousse d'arbre à synthèse. Un arbre à synthèse. Vous avez obtenu arbre à synthèse. Lorsque tu donnes des objets à cet arbre, il en absorbe les nutriments et peut les utiliser pour créer de nouveaux objets. Il faut le planter dans l'eau et en intérieur. Tu connais un coin qui pourrait convenir. Et puis, je ne peux pas profiter de ton hospitalité sans rien t'offrir en retour. Je vais réfléchir jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'utile à faire. C'est gentil. Et notre population s'agrandit encore. Voilà. Et on a 5 alliés maintenant. Ok. Une pousse d'arbre à synthèse. C'est merveilleux, Granit. Il y a une source d'eau claire à l'étage chez toi, non? Je pense que tu pourrais y planter un arbre à synthèse. Va donc voir. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu de flotte en haut de chez nous, effectivement. Hop. Hop. À la carabine.
Ça m'a l'air parfait ici, Granite. Ah, on ne voit plus maintenant. Ah, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça. Juste. De ça. Ah, j'essaie d'améliorer la luminosité. C'est pas grave, tant pis. Ah si, pff, mais il m'affiche pas la fenêtre aussi. Voilà. Bon, ça m'a l'air parfait ici, Granite. Vas-y, dépose la pousse d'arbre à synthèse que t'a donné Saouré. Nouvelle recette, épée de pulpe. Nouvelle recette, bracelet de pierre. Ouais, bon, alors déjà, on va regarder, ce sera plus simple. Ok, donc là, en gros, on voit que on peut se faire se synthétiser des choses plus ou moins intéressantes. Là, on a une épée. Synthétiser à partir de l'épée qu'on a déjà, et il nous faut de la pulpe de cactus et du sable brûlant. Sable brûlant, pour l'instant, on n'en a pas croisé. Là, par contre, le bracelet de pierre, on peut le faire. Comme c'est intéressant, on va le faire parce qu'on voit que les dégâts physiques sont augmentés de 1, enfin, la défense physique augmentée de 1, la défense magique de 1 aussi. Et on a ce qu'il faut, donc on va le faire. Voilà. Ok, alors ensuite on voit que on peut se faire des potions nous-mêmes. Là on peut pas parce qu'on n'a pas assez de pulpe de cactus, mais c'est possible. Et on voit on peut changer notre tenue aussi. Après, c'est juste esthétique. Ça augmente pas les stats. Mais c'est toujours intéressant. Donc, on fera ça plus tard quand même. Mais là, du coup, on a le bracelet de pierre. Il va falloir qu'on. Oui, bah oui, on porte l'équipement conseillé. Voilà. Du coup, je vais vérifier, mais j'imagine que ça veut dire qu'on a équipé le fameux bracelet de pierre. Équipement. Ouais, c'est ça. On a équipé le bracelet de pierre. On a toujours notre épée bourgeon.
Et voilà, on voit que on a 10 d'attaque physique, 4 de défense physique, 4 de défense magique et 3 en chance. Voilà. Bon, après, c'est pas négligeable parce que même si on a la protection de l'arbre, on a quand même besoin de s'améliorer nous-mêmes un peu. Là, sauvegarder là-bas. Et on va aller parler à Saouré. Salut chef, alors ton arbre à synthèse a bien pris racine, je suis sûr qu'il te sera utile dans tes aventures. Avec ça, tu peux synthétiser des armes très puissantes, il faut juste trouver les matériaux. À propos chef, tu as entendu parler de ces gens qu'on nomme les Animéens? Les Draenéens ne sont pas le seul peuple du désert, d'autres y ont aussi établi des hameaux, on les appelle les Animéens. Parmi eux, il y a notamment les Wad et les Serk, qui sont d'excellents guerriers. Je pense qu'à l'avenir, tu pourrais avoir besoin de l'aide de ces Animéens pour protéger ton oasis. Et venant ici, j'ai aperçu une Wad dans les profondeurs du mont Kidung. Visiblement, elle cherchait quelque chose, tu pourrais peut-être aller à sa rencontre. Donc là, on doit partir sur les traces d'une chasseuse animéenne, une Wad, qui se trouve sur le mont Kidung. Ok, donc on va aller explorer. Et du coup, on va suivre la flèche qui nous demande d'aller par là. Entrer par là. Je vais dézinguer les cactus, vu qu'il y en a pas mal déjà. Toujours avoir les matériaux. Donc, du coup, hop, ok. Ouf.
là, on voit que clairement mon arme elle n'était pas adaptée à cet ennemi-là parce que j'ai bien. Enfin, j'ai galéré, j'ai pas tapé très fort dessus. Du coup, on peut se dire que potentiellement ce serait pour un autre type d'allié. Ou alors pas pour l'épée en tout cas. Parce que ça a été fastidieux. On va faire le tour d'abord. Ça va, bien visé. Ok. Ok, je n'aime vraiment pas ces serpents. C'est pas cool. Du cactus. J'ai que ça que de ramasser du cactus. Hop. Alors, il y avait quelque chose par là. Ah, je peux pas. Avoir l'accès maintenant. Là, ce machin là, ah, visiblement c'est pas pour moi. Ok. Pas passer, ok, je peux pas passer parce que je peux aller là, non, ok, bon, c'est pas pour moi non plus. Du coup, ça voudrait dire que c'est par là que ça se passe. Encore un serpent. Ils m'en veulent, je crois.
Ah, pourquoi deux? Bon, ça va, j'ai la maîtrise, tout va bien. Nouvelle recette des paralysons. Intéressant. C'est pas grave. Suivons le chemin. J'avais loupé un truc. Et suivons le chemin. Alors. Bonjour, qu'est-ce qui peut bien t'amener ici? Quoi? Tu as fait tout ce chemin pour me parler? Ah, je vois. Tu cherches de nouveaux alliés prêts à rejoindre ton oasis. Je dois me rendre au nid des Panthéras dans les cavernes du mont. Tu ne voudrais pas faire le voyage avec moi? J'ai un truc à régler là-bas, mais je ferai volontiers un tour dans ton oasis après. Ah oui, suivons la demoiselle. Ok, cette ouade croisée au mont Kidung excellerait dans le maniement de la lance. Pouvoir extraction.
Ah, ok. Voilà, on fait la causette et tout de suite, on se fait encercler par des créatures hostiles. Je m'occupe des cobrequins, rien de tel qu'une lance contre ces saletés. Donc voilà, l'épée en gros, c'est très nul contre les serpents. Je peux te laisser les panthéras, contre cela, ton épée est plus efficace. Montre-leur à qui ils ont affaire. Ouais, bon, alors on va gérer les serpents d'abord. Voilà, ouais, en gros, exactement. C'est bien plus efficace. Et maintenant, en route vers le nid des Panthéras. Oh, j'oubliais, moi, ma spécialité, c'est l'extraction. Si tu trouves des rochers qui brillent, laisse-moi m'en occuper. Ok, bah, il y en a plein des rochers qui brillent. J'imagine que on va pouvoir avoir plein de synthèses avec ça. Et on retourne par là. Ah! Je peux activer les mécanismes de ce type en les tirant avec ma lance. Laisse-moi faire. Ok. Hop. Pouvoir. Ok, d'accord. Effectivement. Et du coup, maintenant, on peut monter le fameux escalier. Sauvegarde les enfoirés. Suivons le chemin. On va bien trouver un point de sauvegarde. C'est pas grave, tout va bien. Un peu moyen en arrière. Par contre, ils auraient pu lui faire autre chose. La pauvre, je vais la garder parce que je sais que dans les trous il y a ces trucs là. Hop. Voilà, on fait la paire, c'est très bien. Bon. Hop, on rentre par le trou. Est-ce qu'ils vont finir par me foutre un point de sauvegarde? Nous y sommes, voici le nid des Panthéras, j'espère que la petite est là. Oups, pardon, je parle toute seule. Allons-y, continuons. La petite, ok. Donc elle nous fait des cachotteries, Micheline. Ok. Ça c'est pas fait pour nous, ok, et c'est pas fait pour elle non plus. On va faire gaffe à lui là, je crois qu'on l'a pas vu. Hop, alors qu'il prend toute la place, n'est-ce pas? Hop là, ouais, donc ça toujours pas pour nous, ok. On avance, on avance. Oula, je l'avais pas vu.
porte fut ouverte. Vas-y, laisse-moi descendre. Moi, je peux pas bouger la caméra, je te jure. Ah, ça fait bouger un peu, mais pas beaucoup. Oh non, c'est pas vrai. Quelle galère. Je viens du hameau Wad, au nord d'ici, au nord du mont Kidung, quoi. Mes amis, partis à l'entraînement, ne rentrent pas. Alors je suis venu voir s'il ne leur était pas arrivé quelque chose. Malheureusement, on dirait qu'un éboulement a emporté l'escalier qui menait à notre hameau. J'imagine que cette grosse dune de sable est aussi une conséquence de l'incident. Me voilà dans une belle panade. Moi non plus, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer maintenant. Alors du coup j'imagine que c'est pas pour maintenant parce qu'on a bien vu que ça le fait bouger mais pas assez. Ok. Ah bah je crois qu'on a bientôt fini notre... Ça a l'air d'être la dernière salle. Non mais laissez-moi faire ma récolte là, voyons. On dirait bien que c'est un cul-de-sac. La petite n'était donc pas là. Ah, celle que j'appelle la petite, en fait, c'est ma... On reprendra cette discussion plus tard. Je crois que ces bestioles nous prennent pour des biscuits d'apéritif. Ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Oula. Ok, on nous barre la route, que se passe-t-il? Ok, pour l'instant ça va. Ok. C'est tout? Ah non, c'est pas tout, ok. Ouh, il est gros et moche celui-ci. Oui. Bon, mais ça va de courir sur les jambes comme ça. Ok. Bon. C'est bon. Je crois. Ouais, c'est bon. Tu as un sacré coup d'épée, dis-moi. Les granéens sont tous costauds comme ça. Ah, je comprends mieux, tu es chef d'Oasis, ceci explique cela. Sinon, pour continuer la discussion qu'on avait commencée tout à l'heure, en fait, je suis à la recherche de ma petite sœur. Elle m'a dit qu'elle partait s'entraîner pour devenir plus forte, et depuis, je ne sais pas où elle est passée. Je pensais qu'elle avait peut-être voulu se mesurer au Pantera, mais on dirait bien que je me suis trompé. Ah, avant que j'oublie, tiens, c'est pour te remercier de m'avoir accompagné. Combine ça avec une de tes armes pour en synthétiser une plus puissante. Elle va nous donner du sable. Oui, du sable brûlant. C'est merveilleux. La pulpe de cactus et sans aquagène. Ok. Ah bah c'est cool tout ça. Miu a quitté votre équipe. C'était donc ça. Miu est à la recherche de sa petite sœur. J'espère qu'elle va la retrouver. Tu t'es beaucoup éloigné de l'Oasis, Granite. Si tu veux rentrer rapidement, essaie d'utiliser l'aquaportail, d'accord? Ah, pardon. Je ne t'ai même pas expliqué ce que c'était. C'est que je ne pensais pas que tu t'aventurerais si loin. Eh bien voilà, l'aquaportail te permet de rejoindre l'Oasis en un clin d'œil depuis l'endroit où tu te trouves. Tiens, tant qu'on y est, essaie donc, c'est le moment idéal. Oui, alors, pour l'instant déjà, ce serait pas mal qu'on me laisse récupérer mes récompenses. Ok, donc là, on a trouvé une bague de noix. Du coup, j'imagine que c'est très bien parce que ça doit pouvoir être équipé. On va dézinguer les cactus. Voilà. Et on va...
On va tester ça. Je sais pas si c'était que des bombes ou si c'était... Ah, loupé. Ouais, bon, ça avait l'air d'être que des bombes, mais je vérifie quand même. Ok, autant pour moi. Donc, on se fait un aquaportail et on retourne à l'oasis. Oui. Voilà. Et on est passé au niveau 3. Alors, 11 en PV, 4 en puissance, 4 en vigueur, 4 en magie et 4 en chance. C'est parfait tout ça. Granit, tu es de retour, j'espère que tu vas pouvoir te reposer un peu de toutes tes aventures. À propos, Miu t'a donné des matériaux pour fabriquer une arme, non? Tu vas avoir affaire à des ennemis de plus en plus puissants à l'avenir, il est temps de te synthétiser une arme à la hauteur. Ok, du coup, on va aller synthétiser une arme, et ensuite on sauvegarde. On finira là-dessus. On va récupérer les aquagènes qui nous attendent. Bon là, elle n'a plus rien pour ses boissons, donc on va la livrer. Voilà. Les sourires augmentent et les effets de l'égide de l'arc-en-ciel sont améliorés. C'est merveilleux. Ok. On va récupérer les aquagènes ici. Et on va synthétiser notre arme du coup. Hop. Et une épée bourgeon, une... Hop. Yeah. Produit de la synthèse épée de pulpe. Granit a changé d'équipement. C'est merveilleux, écoute. Ah, tiens. On peut se faire le turban passion. Ouais, bah on va le faire. Tac. Voilà. On va... Équipement. Comment on fait pour le... C'est pas à partir de là. Ça doit être à partir de l'inventaire du coup. Donc... J'y suis pas là, je ne comprends pas. Dessus parce que j'ai pas compris là, il me semblait qu'on avait ramassé une bague il le porte pas là J'essaie de comprendre, c'est pas ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous aussi. Ah,
Soit je suis très fatigué, soit je ne comprends À moins que c'était déjà ce qu'il avait comme turban, en fait. Ouais. Elle est où la bague qu'on a ramassée là? Je comprends pas bien. Je suis persuadé qu'on a ramassé une bague tout à l'heure. Apparemment pas. Écoutez, c'est pas grave, au pire on verra ça la prochaine fois. Ah, ou à moins que ce soit... Hop. Ah, c'est là. Ah, c'était ça. Voilà, je me disais bien. Pourrait le dire que c'est dans le coffre que ça se passe. Donc, bah du coup, on va lui mettre la bague de noix qui augmente de 1 la défense physique et de 1 la défense magique. Voilà, là on est bien. Donc le turban passion, en fait, on l'avait déjà. Ok. Et ben on va sauvegarder ça. Et du coup on se quitte là-dessus et on se dit à